ici, Cougar, l'oiseau va bientôt sortir de sa cage. Préparez-vous à bondir. Merde, ils sont des otages. Ne faites rien pour l'instant, rien pour l'instant. Désolé, pour toi, il n'y a plus de place. Bah, c'est pas grave, je prends le prochain. Non. J'aime bien meilleure idée. Tu vas courir à côté, hein? Ça te fera pas de mal. Ah, vous prenez un peu à froid, là, hein? Tu vois, c'est pas les Mercedes qu'il fallait suivre. C'est le camion, les Mercedes, qu'il fallait suivre. Les Américains, un petit toast, un coup pareil. Et maintenant, tous à la maison. Allez, pousse, oh, pousse, oh, pousse, oh, pousse. C'est parti. Ouais. 20 points stratégiques bloqués. Il suffit qu'ils croisent une de ces diagonales, ils sont faits comme des rats. Ils prennent le boulevard Michelet. Ils vont tomber sur la place Mazargues. Qu'est-ce qui est au carrefour Mazargues-Michelet? Jean Bat, numéro 7. Préviens-le, ça va être à lui d'ouvrir le bal en premier. Numéro 7, Jean Bat, tu me reçois? Oui, je vous reçois. C'est toi qui vas ouvrir le bal, t'es en position? Oui, je suis en place sans problème. Bon, bah c'est à nous de jouer, hein. Daniel, ça passe pas, là. Mais si. Alors les Bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? Je m'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas. Hé, je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux, là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule? Ça va. Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Ah, je t'ai vexé, là. Je vais te faire exploser, ta Peugeot. Non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Allez, tiens, je te redonne une chance, mais ce coup-là, je vais pas parier gros parce que je commence vraiment à avoir des scrupules à te prendre ton pognon aussi facilement. Tiens, ma poule. 10 balles. Tu vas payer pour ton insolence. Au mieux être insolent que ridicule. Je crois que ta tête était un peu loin, là. Mais non, allez, préviens cette putain de neuf de passer au rouge. Jean-Marc, tu passes au rouge maintenant. Parfait. Numéro 12 et 13, tenez-vous prêts. Numéro 13, bien reçu, mais j'ai un petit problème là. Il y a deux poulets accrochés au feu rouge. Oh, putain de merde. Eh ben, mais décroche-les là. C'est facile à dire, hein. Ils sont bien accrochés là. On arrive au numéro 11, on se trouve une solution sinon on est mal. Bon, Polo, vas-y, passe-les-moi là. Excusez-moi, monsieur. C'est pour vous. Allô? Commissaire Gibert, brigade anti-gang. On vient localiser une bombe dans Marseille, elle est juste à côté de vous. Hé hey. Où ça? Dans le feu rouge. Bon, surtout, vous affolez pas, on sait comment arrêter le mécanisme. Ah. Bon, écoutez-moi bien, là. Vous mettez la clé dans le boîtier et faites passer le feu au rouge. Mais le feu est déjà sur le rouge. Mais vous occupez pas de la couleur du feu, bordel. Glissez la clé dans le boîtier et tournez-la vers la droite, c'est clair? Ouais. Ouais, monsieur le commissaire. On vient de passer le numéro 12. Bon, on se dépêche, là, on se dépêche. Vous permettez? Numéro 19 et 20, tenez-vous prêts, là. Tu sais qu'après 20, il n'y a plus rien. Ouais, je sais. T'es sûr que c'est la route, là? C'est un raccourci. Thank you.
Aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Oh, je te jure que tu m'as fait une de ces frayeurs, là. Tu sais que j'ai vraiment cru que tu préférais mourir plutôt que de te laisser doubler, là. T'allais relire le livre et la tortue. C'est toujours la tortue qui gagne. Hé, hey, Einstein, la fontaine, tu connais? Verdammte Scheiße, noch... Verdammte Scheiße! Putain, ce gros lièvre, pas content du tout de cette vémette barbedite tordue. Ah, c'est le cougar qui va être content depuis les temps qu'il rêvait des manchés du zivet. Ya, gros zivet! Gros zivet!